Martin. Sidney Trudeau a acheté les morceaux qui n'appartiennent pas à celui-ci, le centre de CIA et l'autre de la petite maison. Les autres trois locataires dans la maison côté depuis un an ou deux. Et le CIA, moi, je ne téléphone plus d'urbanisme. Il semble me rassurer. Moi, je suis en retard aussi dans les nouvelles, parce que j'ai appris ça dernièrement, mais c'est quelque chose qui n'est pas produit sur votre train. Il y a un zonage, dézonage, droit de passage, ça me surprendrait. Qu'est-ce qu'on fait passer chez la CIA, un centre funéraire? Donc, il y a une cour en arrière. Moi, je viens à mon nom. S'il y en a qui veulent me suivre, me suivront. On a rénové nos logements, c'est à nos frais. On ne partage pas notre cour, elle nous appartient. Vous parlez de... On s'est rencontrés, M. Levalier, ouais. Il n'y a pas longtemps. Je suis allée avec vous faire le tour. J'ai d'ailleurs déposé votre requête concernant le droit de passage puis voir les documents notariés par rapport à ça. C'est pas, la ville n'a pas les documents notariés par rapport à ça. Donc, c'est de voir avec votre propriétaire le certificat de localisation puis les droits qui sont reliés à cette cour arrière-là. Mais la ville n'a pas de... On n'a pas de pouvoir là-dessus, là, qu'est-ce qui se fait. Puis, qu'est-ce qui est en train de se rénover? C'est des logements, puis il n'y a pas eu de changement de zonage, je me suis informée. Puis, je pense que vous avez transmis l'information également. Oui, OK. Qu'est-ce que vous savez au sujet des logements? Bien, vous avez parlé qu'il y a eu un changement de zonage. C'est ça que vous avez dit? D'après ça, moi, je viens ici pour vérifier parce que je ne téléphone plus l'urbaniste. OK. Mais il n'y a pas eu de changement de zonage. C'est-à-dire que le monsieur qui a acheté le logement, il est en droit de transformer ça en logement. Mmh. Et il est en son plein droit. Et d'après ce que je vois, ça va être 6 logements à l'étage et en bas, on va dire en haut, là, au second. Et à l'étage, ça devrait demeurer une business. Donc, qu'est-ce que vous savez au sujet? C'est des logements. Il n'y a pas de business, il n'y a pas rien, c'est des logements seulement. Il n'y a pas une espèce de règlement, mais pour concentrer les édifices commerciaux à partir de Mercier jusqu'à la rivière, favoriser le commerce et non les logements à partir de devant Mercier jusqu'à la rivière? C'est des logements. C'est ce que je me suis fait dire. Non, mais ce n'est pas les logements. On ne favorise pas les logements à partir de la rue Mercier jusqu'à la rivière. Vous êtes supposé favoriser le commerce, non? Pas dans ce coin-là. Vous êtes au niveau de la rue, je pense, Saint-Charles. Vous êtes sur Saint-Charles, vous? Saint-Jacques. Saint-Jacques, puis et Longueuil. Oui. Non, pas à cet endroit-là. C'est plus bas. OK. Vous n'avez aucune information. C'est pour ça que je me suis présenté ici, parce que à chaque fois que je téléphonais l'urbaniste... Mais quel autre genre d'information vous voulez? Écoutez, si vous me dites que c'est le propriétaire qui peut m'informer, je m'informerai auprès de mon... Oui, au niveau du certificat de localisation et les droits notariés, oui, ça c'est auprès du propriétaire, de votre propriétaire, oui. OK. Bon, ça va arrêter là, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.